compter comme ça, on va vous envahir. L'Afrique va vous envahir. On va vous envahir. L'immigration ne finira jamais. Marine Le Pen peut crier comme elle veut. On vous envahira. Vous mettez les dictateurs là-bas, nous on va vous envahir. Vous pouvez crier, on fera 9 enfants par personne. On va envahir les allocations familiales. Mon frère a raison. Puisque vous aimez tant nos ressources premières, on va faire des enfants, on va bénéficier. C'est un échange de bons procédés. Vous prenez nos ressources, on va prendre vos allocations. Quand vous en aurez assez, peut-être que vous allez comprendre que c'est votre intérêt d'arrêter de mettre des pantins à la tête des États africains. Vous pensez qu'il y a trop d'immigrés. Mais attendez de voir. Il va y avoir 2 milliards. Ils vont arriver. Ils vont arriver. Et nous appelons tous les jeunes Africains. Venez en Europe. Là où il y a des dictateurs, venez. Venez. La France veut vous accueillir. Puisqu'ils aiment tant les dictateurs. Regardez. Ils ont accueilli les dictateurs au sommet de la paix. Nous, on vous appelle à venir. Venez. Pas besoin de prendre la route. Vous prenez un billet. On va. Vous venez, vous ne repartez pas, c'est tout. Venez, vous passez par la Suisse, vous passez par la Belgique, vous passez en Belgique. On ne peut pas contrôler la frontière. Venez, venez. Merkel a accueilli 1 million de citoyens en claquant des doigts. Je pense que la France peut accueillir autant. Vous aimez les dictateurs, on va vous servir les dictateurs, mais vous allez avoir les conséquences. Puisque vous aimez les dictateurs, nous on va venir profiter des retombées de la dictature. C'est quoi les retombées? C'est des allocations free. C'est quoi des retombées? Chaque femme fera 15 enfants. Voilà. On va mettre la vitalité africaine en action. Bah oui, vous aimez tant les dictateurs. Aujourd'hui vous aimez les dictateurs. Nous on va multiplier la France. Et c'est que la justice, hein. L'homme de Chédard est noir aux yeux bleus. Peut-être que dans quelques siècles, on dirait que l'homme français est noir aux yeux marrons, aux yeux bleus. Mais oui, l'histoire ne fait que se reproduire. L'homme de Chédard était noir. Ça veut dire qu'il y a déjà des siècles, des siècles, des millénaires. L'Afrique était déjà en immigration. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. En fait, qui a immigré? Mais nous n'avons pas immigré. Nous n'avons fait que conquérir les terres qui étaient arides et vides. C'est pour ça que l'homme de Cédar est noir aux yeux bleus. Donc nous sommes dans la même logique qui est d'envahir la France. Puisque vous aimez tant les dictateurs, et on n'a pas d'armes. On ne peut pas lutter, on ne fait pas le droit. Mais nos sous, nous allons mettre nos sous dans les billets d'avion. Nous allons faire tourner l'économie aéroportuaire à fond. Invitez vos parents à prendre leur billet pour la France. Ne prenez pas un billet aller-retour, prenez un billet simple. C'est moins cher. C'est moins cher. Allez en Belgique, allez dans les pays de l'Europe, après vous revenez. Aujourd'hui, il y a les travailleurs détachés. Nous allons être des travailleurs détachés aussi. Eh bien oui. Vous partez en Pologne, vous venez ici. J'attends certains nous reprocher. Arrêtez de faire un appel d'air. Mais qui fait l'appel d'air? Qui fait l'appel d'air? Lorsque vous mettez des tyrans, lorsque Macron reçoit des dictateurs, lorsque Macron déroule le tapis rouge, qui fait l'appel d'air? Macron provoque l'immigration. La 5e République de Chirac. Avant Chirac, de Gaulle, sous Focard, de Gaulle, Focard le faiseur de roi, Focard l'a fait Omar Bongo pendant 42 ans, la planche à billets, les valises, demandez à Bourgie. Demande à Bourget, c'est pas moi qui le dis, c'est Bourget. Même Fillon a eu sa cravate. La France-Afrique. Fillon. Certains nous disent que c'est fini, vous vous moquez de qui? Fillon a eu son costume aussi. Hein, les costumes à 5000 euros. À 5000 euros de Fillon. De Marbongo. Hein, demandez à Giscard, les diamants de Bokassa. Les diamants ils sont où les diamants de Bokassa? Ça avec Bernard Tapie, Bernard Tapie. N'est-ce pas? Ils ont tué
Lumumba. Ils ont tué Sankara. Eh oui. Mais vous savez, quand vous créez le chaos, vous allez avoir les effets papillons du chaos que vous créez. C'est simple. Vous pensez peut-être que je blague quand je dis appelez vos parents à venir. Je ne blague pas. Comment peut-on vivre dans des pays où les dictateurs roulent en Ferrari comme Ali Bongo alors qu'il n'y a pas de route? Comment peut-on vivre lorsqu'un vice-président, soi-disant de l'opposition, est choisi? La première chose qu'il fait, il achète une Bentley à plus de 100 000 euros. Il achète un Porsche Cayenne à plus de 500 000 euros. Comment peut-on accepter cela? Vous savez, qui se ressemble s'assemble. Qui se ressemble s'assemble. Les petits cadeaux de Mokassa, les petits cadeaux de Marbongo, l'argent du Gabon, le dernier gouvernement de Chirac, c'est pas moi qui le dis. Allez regarder le reportage sur YouTube, un reportage qui était passé, chaîne publique, la France-Afrique, le dernier gouvernement de Chirac, Omar Bongo, a choisi au moins 15 minutes. Et sur les 15, en fait c'est simple, Chirac a donné une liste à Omar Bongo. Omar Bongo a choisi. Et les ministres qu'il a choisis sont devenus ministres. Vous savez c'était quoi le jeu entre Omar Bongo et Chirac? Omar a un malin plaisir à visiter les jeunes pousses de l'UAP, car il avait compris que c'est dans le biberon qu'on s'aimait la corruption. Des petits cadeaux, pas des petits cadeaux à vos cadeaux à vous, hein. Des cadeaux qui valent cher, des valises de billets, des choses qu'on peut appeler corruption. Ce qui fait que jeunes pousses comme Copé, comme Fillon, comme Sarkozy, président, il mangeait dans la main d'Omar Bongo. Il est resté 42 ans parce qu'il mangeait tous dans sa main. Et quand il est mort, c'est pas moi qui le dis, regardez la mort d'Omar Bongo, de Chirac, Sarkozy, Copé, Fillon, toute la 5e République au chevet d'Omar Bongo, à croire que la reine d'Angleterre venait de mourir. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Ils mettent en place des percepteurs d'impôts qui empêchent la démocratie d'arriver. C'est pour ça que je signe, je persiste. Jeunesse africaine, oui. L'heure a sonné. L'heure. Venez récupérer ce qui est à vous. Venez. Venez en Europe. Venez en Europe, pas par le désert. Prenez un billet. Soyez malin. Prenez un billet. Vous avez des parents d'Europe. Prenez un billet. Une fois que vous êtes là, vous ne repartez plus. Prenez un billet. Ne risquez pas votre de la mer ou la route du désert. Il y a d'autres moyens pour arriver en France, je vous assure. Je vous assure. Vous n'avez pas besoin d'atterrir à Charles de Gaulle pour venir en France. Multipliez les enfants. Les pays limitrophes. Puisqu'ils aiment tant les dictateurs. Aujourd'hui, Macron nous a montré qui il était. Il a dressé un tapis rouge à la fourchette de dictateurs. Il ne peut pas dire que nous, peuple africain, contre la démocratie. Aujourd'hui, Macron sert le fait de Tion. C'est le jeu de Tion. C'est facile de dire que Bachar Al-Assad est un criminel. Quand on s'assoit à la table de Sassou Nguesso, c'est facile de dire que Bachar Al-Assad est un criminel. Quand on s'assoit à la table de Paul Biya, facile de dire que Bachar Al-Assad est un criminel. Quand on s'assoit à la table de Ali Bongo, c'est facile. Mais l'injustice est l'injustice. La justice n'a pas de frontières. La justice n'a pas de frontières. Elle est universelle. Ce que nous demandons à la France, peuple français, Martin Luther King, quand il luttait pour les droits civiques des Noirs américains, disait « Tant vient où votre silence est complice, ne soyez plus complice de ces gouvernants. » Car au nom des Français, ils torpillent la démocratie dans le monde. Pour les intérêts militaires, regardez, Dassault, la danseuse française, Dassault n'a jamais réussi à vendre des avions jusqu'à Hollande. Aujourd'hui, Dassault vend des avions à des pays comme l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, Dassault vend des avions militaires à des pays qui ne respectent pas.
Aujourd'hui en Afrique, on parle de disparition forcée. Je ne sais pas, vous savez ce que c'est. Les disparitions forcées, ce sont des enlèvements qui sont faits contre les gens qui se lèvent. Comme le journaliste saoudien qui a été décapité en Turquie. Et pourtant, Monsieur Macron, il est très fraternel avec le prince de l'Arabie Saoudite. Mais cela n'empêche qu'un journaliste a été découpé comme une bête. C'est ça le paradoxe de la Ve République. La France permet à ce qu'on décapite, à ce qu'on pille, à ce qu'on tue. Et d'un côté, d'une main, elle joue les pompiers. Pyromane. De l'autre main, elle joue au pyromane. Bon, je vais passer la parole à mon frère Jérôme. Vous savez, notre combat ne s'arrête pas. Pour que les dictatures pas tombées, week-end après. Vous pouvez venir nous rejoindre au Trocadéro. Nous sommes au Trocadéro depuis le premier week-end 2016. Septembre 2016, nous sommes au Trocadéro. Week-end après week-end, ça fait 117 semaines. Pour nous, ce n'est pas un jeu. Pour nous, c'est une question de mort ou de vie. On ne peut plus accepter qu'un tyran comme Ali Bongo puisse régner. On ne peut plus accepter cela. Va triompher. Vive la partie d'Ingrat. Ingeta. Équipe A. Bon, on va retenter un peu. Moi, je voudrais poser une simple question. Quand Sarkozy est venu et qu'il a parlé d'immigration choisie, de choisir qui venait ici, qu'on m'explique c'est quoi la différence entre ça et un expatrié? Pourquoi quand on parle de Français qui partent à l'étranger, on parle d'expatriés avec tout ce qui va avec? Mais quand on fait venir des gens ici sous prétexte qu'ils sont africains, ils ne reçoivent que le minimum. J'ai vécu moi au Gabon, j'ai vu les expatriés, j'ai vu leur train de vie, un train de vie qu'on n'aura jamais ici. Des maisons qu'on n'aura jamais ici, un salaire qu'on n'aura jamais. Les gens travaillent pour nous. Les heures supplémentaires, on appelle ça des rations. Quand le patron veut bien donner les rations, la personne va à l'hôpital. L'hôpital, c'est un quart de son salaire, s'il fait une semaine. C'est un quart de son salaire. Et le patron français n'a même pas la décence de prendre en charge cette hospitalisation-là. Si tu ne payes pas, tu n'es pas soigné. Donc là-bas, on est expatrié, ici on est immigré. Faudrait qu'on m'explique la différence quand quelqu'un vient ici pour travailler. Pourquoi il n'a pas le droit au même droit que quelqu'un qui travaille? Pourquoi là-bas on a le droit à plus que quelqu'un qui travaille? Ah, c'est lui. Il est là le beau gosse. Donald Trump. Bon. Non, en tout cas, on met devant nous les portraits de dictateurs. Mais au final, qui sont les vrais dictateurs? Ceux-là qui sont placés ou ceux qui les placent? Au final, les vrais dictateurs devant nous, on devrait avoir le président français. Le macronisme. Hollande, Chirac, De Gaulle, tous ceux qui sont passés devraient être là aussi, parce que ce sont eux les premiers dictateurs. Voilà, le premier d'âme. Ils imposent leur souffrance à des peuples. Des gens qu'on place à la présidence, à Ali Bongo, qui n'est même pas élu. Deux fois, il n'a même pas été élu. De Jean-Ping, quand il y a eu les élections en 2007, le QG a été bombardé, la France le savait. Du Quai d'Orsay le savait. Il est où l'autre là? Qui a bougé? L'armée française a fait quoi? Des lettres consulaires. On laisse les gens se faire tuer parce qu'il y a des intérêts. Et nous ici, on ne s'en occupe même pas. On regarde en fait que se plaindre. Se plaindre des passions, se plaindre de ça, se plaindre de tout ce qui arrive. Mais on fait quoi au final? On continue d'élire les mêmes gens. On continue de mettre les mêmes chiens à la tête de notre pays. On attend quoi aussi nous pour... On attend quoi pour bouger nous aussi? Quand on a eu besoin d'aide, on a demandé de l'aide. Mais quand on nous demande de l'aide, on fait semblant de ne pas voir. On joue les aveugles.
et on s'en fout parce que ça ne nous touche pas. Mais ça finira par nous toucher. Ça finira par nous toucher. Merci. Inga. Alors, est-ce qu'il y a le Cameroun est là? Est-ce que le Cameroun est là? Bon, on va passer d'abord la parole au Cameroun, après au Congo. Parce qu'hier, ils étaient là, non? On va passer la parole au Cameroun. Ok. Bonjour tout le monde. Ok. Moi, je suis un militant activiste panafricain. Je fais partie de la LDNA, Ligue de Défense Nord-Africaine. Il y a une mère de famille africaine de 59 ans qui a été décédée dans la bibliothèque du 20e à Couronne. Vous pouvez suivre l'article sur internet. Nous avons réservé, mais c'est pour tous les Congolais. On a, comment dire, on peut pas faire comme hier. Allô, on a organisé. C'est pour tous les Congolais. Tu veux parler, tu parles, c'est ton pays. Pourquoi prendre le micro à l'autre? On a organisé un rassemblement. Hein? Hein? Vous, ok. On a organisé un rassemblement devant la mairie du 20e mercredi. La Ligue de Défense Nord-Africaine, c'est pour la communauté. On défend notre communauté contre les racismes, les discriminations raciales qu'on subit constamment en France. Qu'on subit constamment en France. Constamment, on est victime. Constamment, les Français nous regardent, nous appellent les Noirs. Voilà, c'est ça que je veux constater. Nous, on se réunit au nom de notre communauté, la communauté noire africaine. On va défendre la maman, 59 ans, qui a été retrouvée morte dans les toilettes, due à ses conditions de travail. Elle était, comment dire, elle était victime de racisme, de discrimination de son DG, son directeur général. Elle a même été butée, parce que, comment dire, contre son gré, par le directeur. Vous pouvez suivre les informations de cette histoire sur le site de Ligue de Défense Noire Africaine sur internet, LDNA. Je vous appelle tous, s'il vous plaît, mercredi, on se rassemble, on se réunit. Vous aurez la suite sur internet. Merci beaucoup à vous. Ingeta. Ingeta. Alors, on va passer la parole au Cameroun. Alors, ceux qui prennent la parole, il faut parler avec assurance. C'est le seul moyen pour que ça passe. Parce qu'aujourd'hui, notre voix doit compenser la techno. Le Cameroun est où? Équipe. Wow. Équipe A. Le Cameroun est où? Ouais, je vais demander après. Dans le Congo. Oh, le Cameroun n'est pas là. Congo. On va passer au Cameroun. Au Congo. Bon, faut venir. Ah, bonjour tout le monde. Est-ce qu'il y a le drapeau du Cameroun? Nous sommes toujours avec notre drapeau. Salut tout le monde, je suis Richard Div, je suis ici avec des amis avec qui on s'est depuis l'Allemagne. On est venu ici dire haut et fort notre détermination avec vous à soutenir ce qui a commencé au Cameroun. Avant de vous dire ce qui nous tient vraiment à cœur, j'aimerais rappeler ici que, étant ici à Paris, les gens parfois nous ont demandé pourquoi ce problème-là se passe au Cameroun ou au Togo ou en Centrafrique ou au Congo et nous manifestons ici à Paris. C'est tout simplement parce que nous avons répondu à l'appel du général de Gaulle. C'est ça qui justifie, notre présence. Ce qui nous justifie notre présence, c'est que nous répondons aussi à l'appel du roi Léopold II, nous répondons à l'appel de Otto von Bismarck, ces gens-là qui ont partagé l'Afrique. Je dis, c'est l'Europe qui a choisi de lier son histoire à
l'histoire de l'Afrique. Et désormais, nous sommes ensemble. Si nous sommes ici, c'est parce que nous suivons les traces du diamant. Nous suivons les traces de l'uranium. Nous suivons les traces de l'or. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous ne sommes pas ici par hasard. Ce qui a commencé au Cameroun, j'aimerais que les gens retiennent que nous n'allons pas céder d'un seul pouce notre combat. Nous avons ainsi commencé. Quand je parle du Cameroun, je parle du Mali, je parle de la Guinée équatoriale, je parle du Tchad où il y a une dictature qui est installée depuis 29 ans, je parle du Gabon, je parle du Congo, je parle de tous ces pays-là qui croupissent sous une dictature qui n'a pas de nom. Vous voyez tous ceux qui n'ont pas choisi de venir ici en Europe. Il faut que la misère où les souffrances aient atteint un certain niveau pour que quelqu'un préfère se jeter à la mer que de rester une seconde de plus dans son pays. Si nous bravons le ciel de Paris qui pleure, c'est tout simplement parce que nos enfants, nos mamans, nos frères et sœurs, ils pleurent là-bas. Et rien, ni les armes de Macron, ni les armes de Donald Trump, ni les armes de l'Europe, ni les armes des États-Unis, rien ne peut entamer notre détermination. Vous avez les armes en face, mais de notre côté, la résistance est en train de grandir. Il faut se lever. On dit à partir de deux, c'est la foule. Nous sommes aujourd'hui 500, 1000, demain nous serons 10 000. Lorsque les Français ont crié, nous avons écouté. Nous crions aujourd'hui et nous demandons que les Français se lèvent aussi. Parce que ce qui tue les peuples, c'est l'impérialisme. Et il n'y a pas d'impérialisme qui aime un peuple et déteste un autre peuple. Si le peuple africain meurt aujourd'hui, demain, ce sera la France, le peuple français qui va mourir. Notre combat, c'est un combat contre l'Elysée, c'est pas un combat contre le peuple français, c'est un combat contre ces décideurs-là qui ont décidé de marcher sur nos peuples, de valoriser, de diviser l'Afrique. Mais nous vous disons aujourd'hui que nous sommes une génération androïde. Ça veut dire que nous ne réfléchissons pas seulement de la tête, nous réfléchissons des mains, des pieds, du ventre, de tout ce qui peut communiquer un sens à l'humanité. Je voudrais dire ici que notre combat, nous avons décidé de boycotter certains artistes. Moi, je suis artiste, je suis réalisateur. Et depuis 2013, j'ai fait un film au Cameroun, 139, Les Derniers Prédateurs, pour prédire ce qui est en train de se passer au Cameroun aujourd'hui. Mais les gens n'ont pas regardé ce film. Les gens ont dit que c'était un film de déstabilisation. Mais on est en train de chevaucher des cadavres au Cameroun pour aller mettre un bulletin dans l'urne. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs où il y a un brin d'humanité. Je demande tout simplement aux gens de se lever, de brandir les poings, même si c'est les mains nues, il faut les montrer. Parce que, si les armes pouvaient vaincre le monde, c'est que le nazisme aurait triomphé de la détermination du peuple français. Ça n'a pas pu, mais je vous dis aujourd'hui, nous sommes debout. Je demande à mes frères et sœurs qui sont au Togo, qui sont au Congo, qui sont au Cameroun, de se lever. Parce que lorsque nous sommes tous debout, le pouvoir, il tremble. La peur change de camp. La peur va changer de camp. Criez avec moi que la peur va changer de camp. La peur va changer de camp. La peur va changer de camp. Je veux passer un message ici que je n'ai pas pu passer hier. Je voudrais dire à nos vedettes, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient du monde de la culture, du monde de la musique, que la